Pierre, oui, monsieur. Un livre, oui. Qu'est-ce que ça l'a fait? Tu es content? Oui. Pourquoi tu es content? Pourquoi? Oui. Pourquoi ce titre? Oui, pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? C'est un petit peu compliqué. C'est parce qu'un de mes amis, grand artiste, avait vu mes élèves et c'est lui qui m'avait fait cette dédicace. Alors j'ai emprunté sa dédicace pour mon bouquin, tout simplement. D'accord. Donc un petit mot pour dire que c'est vous, Élodie, qui êtes derrière la cheville ouvrière de ces livres. Voilà. C'était quand même un peu difficile, l'accouchement de ces livres. Oui, ça a été un gros travail qu'il a fallu réécrire 4 fois, je crois, au total. Ouais. Donc 4 versions différentes jusqu'à dire, oh, bah, ça y est, c'est exactement les mots de Pierre. C'est surtout ça, que ça reste l'image de Pierre et pas ma plume, mais la sienne. C'est ce qui était le plus important. Et vous voyez donc quoi comme message, parce que vous avez lu 4 fois au moins les livres. Le message que je vois du livre, c'est d'abord un message de vie, un message de passion, de prouver que quand on a un rêve, en fait, ça nous tient vraiment vivant. Et je crois qu'il en est la preuve à lui tout seul. Hein. Donc rendez-vous les jours de la dédicace pendant la fête du flan, les samedis 28 septembre à Triel-sur-Seine. Et donc on sera là l'après-midi à partir de 14h.